La dernière fois, tu m'as posé la question, parce qu'on s'est vu une première fois, sur qu'est-ce que ça t'a apporté de passer par la fac de lettres, tu vois. Attends, je cherche Vernon Subutex, là. Il est derrière toi. Ah bah, il est là. En fait, je pense que quand on lit des romans, quand on lit beaucoup de romans, on est en empathie avec plein de personnages. Et donc, du coup, on se met à vivre dans la peau de ces personnages-là. Et pour comprendre la France... comprendre un pays, pas juste être dans la construction de ses convictions, c'est important de ne pas les abandonner au passage évidemment, mais comment on peut rattacher les autres à ce qu'on pense, peut-être modifier, ça nous fasse modifier un peu notre pensée, se mettre à la place des gens. En fait, je pense que la lecture de romans est la voie royale pour ça, quoi. Et il y a un concept en littérature, en analyse de la littérature, là je vais faire mon intello, tu couperas si tu veux, c'est la polyphonie ou le dialogisme. C'est donc Mikhaïl Bartin, qui est un linguiste russe, qui analyse notamment les œuvres de Dostoïevski, et qui montre que dans les œuvres de Dostoïevski, c'est la rencontre de toutes les voix de la société russe qui viennent se mêler là. Il y a une espèce de dialogue permanent, et que c'est pas, le point de vue de l'auteur est quasiment absent, mais qu'on a un mélange comme si c'était une salle de discussion, et les points de vue viennent du moujik jusqu'à l'aristocrate, le koulak et ainsi de suite. Les points de vue viennent se mêler, tu vois. Et donc ça s'appelle la polyphonie. Après, ça peut être compliqué avec le dialogisme, parce qu'en fait, même quand je te parle, j'intègre des propos de toi dans ma parole. Bon, voilà. Et je trouve que j'étais en train de lire Vernon Subutex de Virginie Despentes, j'ai pas du tout aimé Baise-moi, mais là, Vernon Subutex, c'est beaucoup mieux. Et je trouve que, au fond, ce qu'elle raconte, il y a un choix qui est tout à fait polyphonique dans Vernon Subutex. Il y a une absence de... Le point de vue de l'auteur, on ne dit pas ce que c'est, le point de vue du narrateur, on ne dit pas ce que c'est, mais Vernon Subutex, c'est un espèce de personnage qui passe un petit peu partout, et qui nous permet d'ouvrir des portes de la société, et de jeter un coup d'œil à travers. Je vais juste lire un passage... Parce que ça me paraît au cœur de, peut-être, de ce que doit faire aussi la France insoumise. Ce qui fascine Vernon, de Xavier à Sylvie en passant par Louis, donc c'est des anciens copains qui recroisent, qui n'ont pas grand-chose en commun, c'est qu'ils ne doutent de rien. Ils voient bien pourtant que personne n'est d'accord sur rien. Ils pourraient en tenir compte et se demander comment ils vont faire avec cet éclatement de lucidité contradictoire. Au contraire, l'adversité semble les renforcer dans la certitude d'avoir raison. Eh bien, il ne faut absolument pas qu'on s'enfonce dans cette ornière-là. Si on a une adversité en face de nous, on ne peut pas juste s'enfoncer dans la certitude d'avoir raison. Si je vais prendre l'aviculture sur les poulets doux, tu vois, quand tu te retrouves à avoir la chute de l'Empire doux, du modèle avicole, tu ne peux pas juste ne pas aller voir les aviculteurs et penser et comprendre comment ils pensent. Il faut absolument que tu ailles les voir et que tu comprennes ça si tu veux transformer quelque chose avec eux. Et tu peux pas te cloisonner en disant « c'est évident qu'il faut avoir que du poulet bio » et les autres à côté qui se disent « c'est évident qu'il faut en fait augmenter la taille des élevages ». Il faut qu'on comprenne comment on arrive à mêler les deux, vers quoi on veut aller, quel est notre objectif, quel objectif on doit poursuivre, ainsi de suite. J'hésite même à refaire mon sketch sur le divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche. On en a marre, non? Bon... Allez, historiquement, donc, quand on lit l'illusion économique de Todd est quelqu'un qui a de très fortes intuitions qui ne sont pas toujours appuyées sur les statistiques. Donc je me suis forcé à faire rencontrer des statistiques avec les intuitions de Todd. Mais il y a l'intuition de Todd sur les divorces des deux cœurs sociologiques de la gauche depuis les années 80. En gros, donc, les deux cœurs, c'est les profs et les prolos, qui divorcent économiquement, puisqu'on va voir un triplement, par exemple, du chômage chez les ouvriers non qualifiés, et en revanche, grosso modo, une stagnation, une augmentation un petit peu quand même chez les classes intermédiaires et les classes supérieures, mais pas massif. De la même manière, ça va se produire sur le volet salarial, avec une baisse du niveau de vie des ouvriers non qualifiés, et en inverse, une hausse chez les professions libérales, par exemple. Bon, donc il y a ce fossé-là, et ce fossé économique se traduit aussi en un fossé politique, puisque grosso modo, les profs, ou la petite bourgeoisie intellectuelle dont je suis, ainsi de suite, vote massivement pour François Mitterrand en 81 et continue à peu près de voter pour la gauche dans ses différentes composantes aujourd'hui, à l'inverse des ouvriers qui
en 81 voté à 74% au deuxième tour de la présidentielle pour François Mitterrand, et aujourd'hui sont partis soit au Front National, soit dans l'abstention, soit à gauche, et puis ils sont tous mêlants, quoi. Donc l'objectif étant de faire se réunir ces deux corps sociologiques là, et j'insiste dernièrement, c'est quelque chose qui m'est venu dernièrement, mais sur le fait qu'il y a un divorce aussi au sein des classes populaires entre les Français des campagnes, ouvriers, employés, puisqu'on sait que les classes populaires, souvent, elles se font éjecter des centres-villes parce qu'elles n'ont pas les moyens d'y louer, et les enfants d'immigrés qui sont dans les quartiers périphériques. Donc voilà, et dès qu'on place le débat sur le terrain culturel ou cultuel, eh ben on produit un divorce entre ça. Si on arrive à le placer sur le terrain économique et social, on peut montrer tous les points de convergence qu'il y a entre classes populaires et urbaines, enfants d'immigrés et blancs.